Hey team, j'espère que t'es en forme pour ce cuisse abdo-fessier numéro 14. C'est l'hiver, il fait froid et il faut faire des économies d'énergie. Eh bien, j'ai ce qu'il faut pour te réchauffer. La solution écolo, un peu de cardio, un peu de renfo et pas mal d'intensité. Si tu te rejoins pour l'entraînement, c'est possible que dans 5 minutes, ton corps soit déjà en ébullition. On va utiliser une barre aujourd'hui et assure-toi de bien maîtriser les mouvements avant de charger cette barre. Avec celle-ci, on va faire du soulevé de terre, des squats, mais aussi des fentes latérales, et c'est important de bien maîtriser ces mouvements-là. Je te conseille de répéter cet entraînement plusieurs fois pour pouvoir gérer au mieux tes efforts et gagner en efficacité sur chacune des séances. Je pense à ça, on aura aussi besoin d'un tapis, prépare ça, et puis bah, si t'es prêt, let's go! Et on va commencer avec de la marche, marcher sur place. Droite, gauche, droite, gauche. Les genoux vers l'avant, les bras bien actifs toujours. Ok, on va écarter les pieds, levez les bras, grandissez-vous et descendez sur un squat. Gardez bien le dos plat, placez les mains sur les cuisses, arrondissez le dos. Et on redescend, hanche basse, poitrine haute, repoussez les mains vers le ciel. On se grandit. On écarte les bras et revenez ici, droite, gauche, ok, deux pas à droite, deux pas à gauche et encore deux pas à droite, on reste là-dessus, les bras sont relâchés, 3, 2, 1, grab by, je croise la jambe derrière et un kick, on repart, une fois à droite, une fois à gauche. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit rebond. Posez le pied, poussez dedans et on décolle. À partir de maintenant, 3 kicks. 1, 2, 3. On change. 1, 2 et 3. Soit je reste au sol, soit je décolle. Dernière répétition. Écartez les deux pieds. Hop. On écarte. Placez les mains devant. Et descendez main au sol côté gauche. Fléchissez la jambe gauche. Éloignez les deux hanches vers le haut. Revenez, 4, grimpeur, droite et gauche. Levez les hanches hautes, descendez, alignez et replacez. Et 4, et 3, dernière fois pour les hanches hautes. On va pouvoir revenir debout. 3, 2, 1, grapevine, croisé. 3, 2, et on repart. 3, 2, et 1. Parfait. On reste là-dessus. Si vous le sentez, pourquoi pas lever la jambe un peu plus haut. A chaque fois, je touche le pied au sol. Allez, on fait monter encore un petit peu le cardio. Avant de revenir une nouvelle fois sur le sol. Écartez les pieds. Descendez les mains, cette fois-ci côté droit. Une belle planche. Éloignez les hanches hautes. Descendez les hanches basses. Et reprenez les grimpeurs. 4 répétitions et on pousse. Oh, descendez, alignez, activez le centre et twistez le bassin. Commencez à sentir un petit peu la chaleur au niveau du centre. Dernière fois pour le bassin vers le haut. Stop, on revient debout. Allez, go, à droite. Une fois, deux fois, trois fois. Et encore. On croise, on kick. Allez, pourquoi pas un petit peu plus loin sur la gauche et un petit peu plus loin sur la droite. Dernière répétition, côté gauche. Ok, super. On a terminé notre échauffement cardio. On va pouvoir attaquer l'entraînement déjà. Placez les pieds sous la barre. Récupérez cette barre, gardez bien le dos plat sur la transition. Et ici, on va descendre. On va descendre en poussant le bassin vers l'arrière. Comme ceci, en maintenant le dos bien plat.
Descendez cette fois-ci un petit peu en dessous des genoux. Et on remonte. Accélérez en bas. En haut. Moitié supérieure. Une répétition. Où on descend lentement. Où on va en amplitude et deux répétitions. Où on reste sur une amplitude partielle. Deux fois. Moitié inférieure. On reprend. En bas. Au milieu. En bas. Et en haut. On est bien sur une flexion de hanche. Fléchissez principalement les hanches et fléchissez très légèrement les genoux. Allez, on continue. On vient descendre jusqu'à trouver un petit étirement derrière les cuisses. Dès que vous sentez cet étirement, n'allez pas plus bas. N'enroulez pas. Gardez toujours la même courbure, la courbure naturelle du dos. Allez, il en reste une. Et on va reprendre notre première combinaison. Une répétition lente. Doucement. Je contrôle. Et ensuite j'accélère. Pour deux répétitions. Rapide. Et on continue. Une fois. Lent. Deux fois. Rapide. Ok. Posez la barre. Levez les bras. Tirez les coudes en arrière et poussez ensuite les bras devant, la jambe droite en arrière et on remonte. Deux possibilités. Soit je replace point de pied au sol, soit je lève le genou devant. Allez encore, se grandit au max. Au moment de se grandir, resserrez les omoplates. Inspirez, soufflez. Un max de distance entre les mains devant et le pied derrière. On y va. On essaie de venir sur une position horizontale. Oh ouais. On y est presque. Dernière répétition. Stop. Récupérez la barre. Et on reprend. Donc deux répétitions rapides tout de suite. Allez. En bas. En haut. Et une répétition lente, on reprend. Activez les abdos. Et à partir de maintenant, soit deux rapides, soit quatre. Très rapide. Allez, on augmente encore un petit peu l'intensité. Et de quatre. Et de trois. Et de deux. Encore. Toujours le dos bien étiré. L'accélération. On reprend. Posez la barre. Levez les bras. Tirez les coudes. Allongez. Et remontez. Allez, je lève, je lève, je lève, je lève. Et ensuite, je repars loin devant. On a 10 objectifs et max de distance entre les mains devant et le pied gauche cette fois-ci. Est-ce qu'on peut allonger les bras devant? Est-ce qu'on peut encore allonger la jambe derrière? Allez, on génère la même intensité qu'au premier tour. Allez, courage, ça brûle ici. Au niveau des fessiers. Au niveau des ischios. Reprenez la barre. Et on va retrouver notre combinaison. Lente. Rapide ou très rapide. Deux ou quatre. Ouais. Super. Et de 4. Et de 3. Excellent. Dernier effort. On vient placer maintenant la barre sur le dos. Après les soulevés de terre, on va pouvoir attaquer les squats.
Il y aura pas que des squats, il y aura aussi des fentes latérales. Mais pour l'instant, j'essaie d'écrire de grandes choses, mais j'ai plus les mots. 3, 2, 1, et on monte. Poussez les hanches en arrière, pas trop bas pour l'instant. Le rythme est quand même rapide. Maintenant, si vous êtes à l'aise, pourquoi pas. 1, 2, 3, et repousse. 1, 2, 3. On fixe bien les coudes sur la barre. On garde le dos plat. 4 répétitions de plus. Avant de pouvoir attaquer les fentes latérales. Attention! Dernière fois. Stop! On écarte. On écarte les pieds, pas trop en ouverture, puisque on va descendre uniquement sur la jambe droite. On pousse les hanches en arrière. On place le genou au-dessus des orteils côté droit. Allez, on pousse les hanches en arrière, on garde la poitrine haute. Attention, ne vous laissez pas partir sur le côté. Gardez les épaules devant le bassin. Descendez. Allez chercher le petit étirement au niveau des adducteurs. Dernière fois, lente, et on repart sur deux petits moitiés inférieurs. Ça commence à chauffer. Allez, descendez bien dans le talon droit, c'est notre objectif. Maintenez la barre, toujours bien plate. À l'horizontale, on bloque en bas, reste et on pousse. On bloque, on reste et on monte. Encore en bas, reste. Faites chauffer le quadriceps, faites chauffer le fessier. Poussez un petit peu avec le pied gauche. Terminé. On reste ici, 3 petits en bas. Et encore, 3, 2, si c'est nécessaire, faut que je la chope. Terminé. Elle est bonne, sa mère, j'ai le seum. On relâche. On la refait. Côté gauche. Je suis en PMF. Je domine le championnat, je prends quelques trophées. Et je me barre. Et on retrouve nos deux engagements ici. Le quadriceps, le fessier. La même flexion ici pour le genou et pour les hanches. Toujours fluide sur le mouvement. Le monde est méchant. On inspire en bas, on expire en haut, ça change pas. Deux petits, en bas, milieu, en bas, on pousse, descendez. On reste un peu plus de temps là où la tension est la plus forte, c'est-à-dire moitié inférieure. Allez, gardez le dos solide, bloc en bas. Pousse, 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 pousse. Allez, courage, sans pivoter la barre. On reste un petit peu. Allez, 3 petits en bas. 1 et 2 et 3. Repoussez fort encore. Bloc. Ah là là là, dernière fois. On repart en squat. Resserrez les pieds. Largeur des épaules. Et on est reparti en tout temps. En bas, en bas, en haut, en haut. Le challenge sur ce dernier tour, ça va être de maintenir toujours une petite flexion au niveau des genoux. Jamais de jambes tendues, jamais de relâchement complet. De moitié inférieure, en bas, milieu. Allez, go. En bas, milieu, en bas, en haut. Repoussez les genoux larges, repoussez dans les talons. Faites chauffer toujours les fessiers, toujours les quadriceps. Bloquez, restez. Allez, courage. Oh oui, ça brûle dans les jambes. Allez, on va aller chercher nos limites. Restez toujours sur une bonne position au niveau du centre. 3 petits, en bas. Il reste 3 séries de 3. Il nous reste 2 séries de 3. Allez, on met le feu. On met le feu. Elle est bonne, sa mère, j'ai le seum. Faut que je la chope. Et voilà. On peut poser la barre, nous n'en avons plus besoin. On poursuit à présent, toujours sur un engagement du bas du corps. Mais on va isoler les fessiers. Pour notre premier mouvement, les élévations latérales. Deuxième mouvement, c'est les fentes. Et on va associer ces deux mouvements. Poussez la jambe droite vers l'arrière et vers l'extérieur. Tournez point de pied vers l'intérieur. On pose le pied droit. On reste en position basse. 3, 2, 1.
hein. Et ce qu'on va rajouter sur les élévations, c'est ça. On décolle le talon et on vient engager le mollet gauche. Pied droit derrière. Descends les six petits. Genoux proches du sol. Épaules au-dessus des hanches. On lève les genoux. Ou à chaque fois, je peux aussi replacer le pied au sol. Hop. Jambe gauche. On pousse vers l'extérieur. On isole le fessier. On repart pour les fentes. Descendez bien droit. Remontez. Et on est reparti. Avec les bras actifs pour maintenir l'équilibre. Et on va pouvoir accélérer. Six petites fentes. Posez. Descendez. Regardez devant. Et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Super. On fait chauffer le fessier droit, le quadriceps gauche. Et on va pouvoir repartir pour les fentes. Pied droit derrière. Lentement. On calme le jeu quelques instants. On va y aller doucement aussi pour les élévations. On se concentre ici pour vraiment aller sur une amplitude complète. On accélère. Et en plus de ça, on va essayer de frôler le sol. 3, 2, 1. Et on monte. Poussez, ramenez, poussez, ramenez. Toujours du même côté. Dernier effort. On reste proche du sol. La cuisse parallèle au sol. Oh! On pousse, on ramène, on pousse, on ramène sans décoller le pied du sol. On maintient toujours point de pied. Ok, stop. Tranquillement. Revenez tranquille. On garde le contrôle, on garde le contrôle. On accélère. Allez, posez, descendez. Restez droit et marquez une bonne flexion. Gardez une bonne amplitude. 4, 3, 2, excellent, excellent. Allez, on s'arrête pas. On pose, on descend. On reste en bas. Dernière série de fentes. Bravo, on a fait des fentes. Maintenant, on va refaire des squats. Plus de barres cette fois-ci. On va associer ça avec des kicks. Avant, on isolait les fessiers. Maintenant, on isole les quadriceps. Allongez la jambe droite. 4 répétitions. Levez le genou. Allongez la jambe devant. Et on change de côté. Kick. Pause. Kick et pause. Bras gauche devant, bras droit derrière. On change de côté. Marquez une petite inclinaison sur l'arrière, mais activez fortement les abdos. Marquez un petit temps d'arrêt en position haute. Il en reste 4 à gauche avant de changer de mouvement. Ouais, belle hauteur. 2 kicks à droite. 1 et 2. Écartez les pieds. 3 squats. Facile. Allez, on remonte. 2 fois côté gauche. Kick. Pause. Restez 1 seconde et redescendez. 1, 2. Un kick, un squat. Une fois à droite, une fois à gauche. Kick. Squat. Allez, hop. Et si c'est possible, rajoutez un petit saut. On va rester jambe droite levée. Maintenez le genou à hauteur de hanche. Toujours dans 4 répétitions. Oui, ça chauffe plus maintenant. 4 à gauche. Allez chercher loin devant. Marquez un temps d'arrêt. Bloc et descend. Encore. Bloc. Kick. Et ramène. Kick. Allez, courage, on y est presque. Plus que 2 fois. Dernier effort. Kick. Et on reste. Vous sentez ici la différence? C'est pas la même chose quand on essaie de maintenir. Jambes allongées.
Allez, c'est parti, un kick, un squat. Et on termine avec notre combinaison que l'on va maintenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette chanson là. Allez, on y va. Kick. Et toujours le petit blocage. Même si on n'a pas beaucoup de temps, allonge la jambe, bloqué. 4. 3. 2. Et voilà. La suite, c'est au sol. Ouh, on va baisser un petit peu. Faire descendre un petit peu l'intensité. Prenez le temps de boire un peu d'eau. Et ensuite, rejoignez-moi au sol pour un gainage ventral. On va venir placer les genoux au sol pour commencer. On pousse avec les coudes dans le sol et on va croiser les bras. Un bras devant l'autre. Contractez bien les abdos et tirez bien le dos. Engagez aussi un peu les fessiers et tournez vers moi. Gardez le genou au sol et une jambe allongée côté plafond. On lève la jambe côté plafond. Trois élévations seulement et ensuite on revient face. On tourne de l'autre côté. Et on répète exactement la même chose. On lève la jambe. Trois élévations. La dernière, posez et revenez face au sol. On garde bien le dos toujours allongé. Le regard entre les deux bras. On laisse pas retomber la tête. On contracte fortement les fessiers pour protéger le bas du dos. C'est important. Vous pouvez être soit sur les pieds, soit sur les genoux et ajuster votre option. On peut aussi rapprocher un peu les genoux si c'est difficile. Pas d'option pour la rotation. Soit sur genou, soit sur le pied. Et on va lever la jambe droite, trois petits. Stop, pause, on tourne. On maintient le gainage, on lève la jambe côté plafond, haut, milieu, et on repose. On repose les pieds, mais on ne se repose pas, il nous reste une dernière série. Allez, restez solide sur le centre, sur le haut et tournez une nouvelle fois. Le pied ou le genou au sol, on lève la jambe. 3 fois, 2 fois, ok, dernier effort, de l'autre côté, on l'ouvre, main sur la hanche, levez la jambe et restez statique, et 1, et 2, et 3, plus que 15 secondes, face au sol, allez, you look good, you look good. Et voilà, on pose, on relâche, mais la récupération va être de courte durée. On va se relancer toujours pour les abdos, mais on va en plus activer le cardio. Allez, placez les mains au sol, pieds au sol si c'est possible, sinon gardez les genoux statiques. Et on est parti pour des grimpeurs, 16 au total, rapide. 3, 2, 1, stop. On pose. On peut prendre un peu plus le temps. Et puis on va reprendre toujours des grimpeurs, mais on a 3 vitesses intermédiaires avant de retrouver notre vitesse folle, celle qu'on a utilisée pour introduire cet entraînement. 4 répétitions super lentes. Et on accélère un petit peu. En avant, pause. En avant, pause. Je croise toujours pour engager les obliques. Pensez toujours à bien étirer le dos. À tout moment, on peut poser les genoux au sol et reprendre. Sinon, on accélère encore. Vitesse 3. Droite, gauche. On twist, ramène, on twist, ramène. Et toujours plus. Vitesse 4. Attention. À la fin de cette série, rapidement, on reviendra sur le sol. Genou au sol. Et on allongera le bras
et la jambe opposée. Stop. Allongé. Ramenez. Repoussez la main devant. Repoussez le pied en arrière. Deux répétitions de l'autre côté. Et on change de côté. Allez. Trois petits en haut. En haut. En haut. On pose et ça fait. Toujours du même côté. Et on reprend. Gauche. 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 Dernière fois. Sept petits à droite. Sept petits à gauche. Avant de repartir ensuite pour notre phase de grimpeur. Allez, on change de côté. Dernière fois, 7, 6, 5, 4, pied au sol, main au sol, et on reprend lentement. Repoussez avec les mains dans le sol, et tirez le dos, absorbez le ventre, et on accélère un petit peu. Droite, gauche. Et on expire, on inspire. On expire, on inspire. Vitesse 3. Croise, pose, croise, pose, croise, pose. Prête pour l'accélération folle. On y va, droite, gauche, droite, gauche. Allez, courage. On est presque. On fait ça, fois 3. Allez. Et 1, et 2, et 1, et 2. Il nous en reste 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et voilà. Ouh, bravo, on relâche. On peut relâcher, décontracter. On vient de régénérer énormément d'intensité. Prenez le temps de boire un peu d'eau, de récupérer. Et ensuite, on se retrouve sur le dos. Sur le dos. On va venir réengager les fessiers. Hop. Ici. On repousse une jambe vers le haut. Restez en haut pour 3 petits. Et on pose. 1, 2, 3, et pose. Dernière série de 3, et on passe à des séries de 7, et ça fait 7, 6, 5, 4. Ça commence à chauffer pour les fessiers. Côté pied au sol. Ici, tirez les bras en arrière et poussez. Main et pied vers le haut. Et on replace les deux pieds au sol. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de maintenir le bassin toujours décollé du sol. Elle est là la difficulté, maintenir notre intensité au niveau du fessier et ensuite créer l'intensité au niveau des abdos. Pour sentir un peu mieux les abdos, gardez le pied vers le haut et poussez les mains vers le pied. Allez, une courte série. 6, 5, 4, 3, on repose et on est reparti. De l'autre côté, on monte et on descend. Gardez toujours un pied entièrement à plat au sol. On reste en haut et 3 petits. On pousse, on pousse, on pousse, on ramène. Et encore 3, 2 et 1. En bas et ça fait 3, 2, 2, 3. On passe à 7, 7, 6, 5. 4. Allez, deuxième et dernière série de 7. Et cette fois-ci, sur cette série-là, on va marquer une pause. Repoussez les bras en arrière. On change pas de jambe. On reste toujours du même côté. Attention, jambe vers le haut, main vers le pied. Poussez vers le haut. Ramenez jusqu'au sol. Le bassin reste constamment décollé du sol. On maintient la pression au niveau des fessiers. Et on vient commencer à sentir un peu plus les abdos. Et comme c'est pas assez pour les abdos. Non, c'est pas assez. Allez, on reste en position haute. Poussez, poussez, poussez les mains dans le pied. Et simplement maintenez, maintenez le bassin décollé.
on va alterner. Une fois pied droit, une fois pied gauche. Allez, levez une jambe. Posez-la. Ici, important, ne jamais reposer le bassin. Activez toujours le centre et on ne change rien. Monte, descend. Monte, descend. On absorbe le nombril. Sentez comme ça chauffe pour les abdos. Allez, faites chauffer les abdos en plus des fessiers. Ah oui, on les sent. Super, plus que deux. Ultime effort. Ok, stop. On peut rester sur le dos. Et à partir de maintenant, un petit travail d'endurance musculaire. 3 minutes où on va maintenir les abdos sous tension sans jamais relâcher cette pression. 4 mouvements. Et ici, on va commencer. Droite-gauche. Restez à droite pour 4 petits. Restez à gauche pour 4 petits. 4 mouvements, 4 répétitions. Voici le 4ème mouvement. Mouvement 1, droite et gauche. Touchez le pied droit, le pied gauche. Pied droit uniquement pour mouvement 2. Revenez à gauche ensuite. Et on croise ensuite. Mouvement 1 et ça fait droite, gauche, droite et gauche. Et ça fait droite 4 fois. Et on part à gauche, à gauche, à gauche et à gauche, on croise. Le challenge ici, on a dit, c'est de maintenir la pression continue au niveau des abdos. Et pour ça, gardez les omoplates constamment décollées du sol. On essaye ça. Allez, on essaye ça. Mouvement 1 et ça fait droite et gauche. Et on reste à droite. 4, 3, 2 et 1. Et on reste à gauche. Pour 4 aussi, dernier mouvement, on croise, twist les épaules. Allez, on lâche rien. Droite, gauche, droite et gauche. Et ça fait droite, droite. A chaque fois, replacez la main derrière la tête de manière à soutenir la tête. Mais attention de ne pas la tirer. Allez, mouvement 1, droite. On reste à droite. On reste à gauche. Avec les inclinaisons et avec les rotations, sentez aussi les obliques. Allez, on n'arrête rien. On reste à droite. Il nous reste une dernière série. Les dernières secondes, let's go. Allez. Et on reste. Et on reste. Et on reste. Et on reste. Encore. Et on croise. Ok. On peut relâcher, on peut reposer. Allez, il va falloir tourner maintenant. Tourner. Mais pas complètement. Mais juste sur le côté, ça suffira. Décollez le bassin. Reposez le bassin. On commence tranquille. Gardez le pied au sol. Décollez simplement ici. Tranquille pour commencer. Mais on veut mettre un peu plus de tension. 3 mètres sur haut. Et on redescend. Mais pas jusqu'en bas. Pas jusqu'en bas. 3 petits et on revient en bas. On réengage le fessier et les obliques. Dernière série. On reste en position haute et on va allonger le bras. Ramenez le coude et le genou vers le centre et vers le haut. Allongez le bras et la jambe. Revenez face au sol pour des jumping jacks. Attention. 3, 2, 1. On écarte, on ramène. Deux possibilités sur les jumping jacks. Soit un pied à la fois, soit les deux pieds en même temps. On peut aussi venir sur ça. Attention, stop. Tournez de l'autre côté. Bassin au sol, je lève. Et on répète exactement les mêmes combinaisons. Ok, on est reparti. 3 petits et au milieu, au milieu, oh. Au milieu, oh. Allez, encore. Dernière série de 3. On reste en haut. Allongez le bras. Fléchissez le coude, fléchissez le genou. Allongez et revenez face au sol. 3, 2, 1. Jumping jack. On écarte, on ramène.
une tension énorme au niveau des abdos, jamais au niveau du dos. 3, 2, 1, c'est terminé. Posez les genoux, relâchez sur l'arrière. Une récupération assez courte parce qu'on va retrouver une combinaison, celle avec les rotations. On peut garder les genoux au sol, un genou au sol, ou alors venez avec moi ici. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Fourez, allongez, fléchissez, allongez, deux répétitions, deux fois. Et ensuite on revient face au sol. Est-ce qu'on peut aller deux fois plus vite? Deux fois plus vite. Allez, ouvrez, allongez, fléchissez, allongez, fléchissez, allongez, revenez face et tournez de l'autre côté. Ouvrez, allongez, fléchissez, allongez, fléchissez, allongez, revenez de l'autre côté. On ouvre. Ah. On expire, on inspire, on relâche et on reprend une dernière fois. 5 secondes d'effort. Et voilà. On peut revenir sur l'arrière. Et on a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que il nous reste que une chanson. À peu près 3 minutes, un petit peu plus quand même. T'as vu Bendo, il est pas bête, hein. Cross crawl, croisé, croisé. Le coude en direction du genou opposé. L'autre coude au niveau du sol. Ça, ça nous permet d'avoir une belle rotation au niveau des épaules. Prenez les deux repères. Et deux possibilités. Soit j'allonge les jambes, soit je garde les jambes fléchies. Et on twist, et on twist, et on twist. Le bassin reste fixe. Les épaules tournent. Et c'est pas fini. 4, 3, 2, 1, on prend le temps. Placez les pieds au sol. Placez une main derrière la tête. Et ensuite on lève le bras. Et on pose au sol. On change de jambe. On change de bras. Main, pied opposé avant de reposer au sol. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, et enfin, revenez. On reste sur un mouvement assez lent pour pouvoir contrôler et mettre de l'amplitude. On va essayer plusieurs choses ici. Au moment d'allonger la jambe, de l'éloigner, d'éloigner le pied de la main, on va essayer de maintenir le bas du dos au contact du sol. Ressentez comme ça chauffe plus fort au niveau des abdos. Et assurez-vous aussi d'être sur une expiration à chaque extrémité. En haut je souffle, j'inspire, en bas je souffle. Et je souffle une deuxième fois en position haute. Allez, toujours une intention d'aller créer l'intensité. Une intention d'aller faire chauffer les abdos. Les sensations pour les abdos, ça c'est le plus important. Allez, courage. Et on va terminer ici avec ce qu'on a commencé, c'est les cross-crawls. On croise, on croise. Est-ce qu'on peut encore mettre la même amplitude? La même amplitude qu'au départ. Allez, courage. On a envie de s'arrêter là maintenant, ça brûle trop, ça fait mal. Allez, mais cette douleur est notre amie, elle est notre amie. Ah. Allez, on se bat jusqu'à la dernière seconde. Donc il y a de la musique, on continue. Ok, stop, on peut relâcher. Reposer les pieds, allonger les jambes et repousser les bras derrière. Et voilà, l'entraînement est terminé. On peut souffler, on peut relâcher, décontracter. Ramener ensuite les jambes et croiser la jambe au niveau de la cuisse. On place un bras à l'intérieur, un bras
À l'extérieur, on rapproche les deux jambes vers soi. Et tirez le fessier. Les fessiers qui ont beaucoup travaillé. On va venir attraper le bout du pied avec la main opposée. Et on pousse le talon vers le plafond. Étirez à la fois le mollet et les ischios derrière la cuisse. On va répéter cet étirement-là de l'autre côté. Reposez. On croise la jambe. Et on ramène la jambe vers soi. On décontracte le haut du corps. On étire les fessiers. Attrapez le bout du pied et poussez le talon vers le haut. Oh, oh, oh. Dernier étirement sur le dos. Attrapez les jambes sur l'extérieur, proche des genoux. Écartez les genoux vers l'extérieur et étirez les adducteurs. On va pouvoir resserrer les deux pieds. Hop, tournez par ici. On va venir placer un genou devant. On ramène le coude au sol. Et on vient sur l'arrière pour étirer le quadriceps. On rapproche le pied du fessier derrière. Et on s'incline sur l'arrière. L'intention de pousser le genou vers le sol. Et on change de côté. Même chose, on ramène le pied proche. On va pouvoir revenir debout. Par ici. On croise les doigts. On va chercher la hauteur. Et on pousse sur le côté. De l'autre côté. On remonte, on remonte, on remonte. Et on écarte. Enroulez les épaules. Relâchez. Tournez les épaules. Et voilà, bravo à tous! MadFit Team, bravo! T'as tout donné, c'est plaisant de partager l'entraînement avec toi. On progresse ensemble et ça c'est cool. Je te souhaite une bonne récupération. Restons connectés, motivés, toujours prêts à tout donner. Allez, salut!